Dans l'actualité, à la fermeture de l'unique centre de déradicalisation en France, il est en Indre-et-Loire. Son existence aura été courte, moins d'un an. Au total, 9 pensionnaires ont été accueillis, mais aucun d'entre eux n'a suivi l'intégralité du programme. Quelles sont les raisons de cet échec? On voit ça avec Hakim Abdelkalek, David Dameda et Mathieu Baudouin. Depuis février, ce centre qui a coûté 2,5 millions d'euros était vide. Il va définitivement fermer ses portes après moins d'un an d'existence. Au total, seuls 9 pensionnaires ont séjourné dans ce centre de déradicalisation. Aucun d'entre eux n'a suivi l'intégralité du programme. Les autorités ne communiquent pas sur ce qu'ils sont devenus. Le centre devait accueillir des personnes en voie de radicalisation. Elles ne devaient pas être fichées S, ni condamnées, ni avoir séjourné en Syrie ou en Irak. Mais elles devaient être volontaires pour suivre le programme. Des profils en réalité très rares. Le recrutement s'est heurté à des limites parce que il était difficile de trouver des volontaires dont les profils soient adaptés à cette prise en charge. Pour certains, l'échec de ce centre symbolise les limites de la politique de déradicalisation menée en France. Dans son rapport remis il y a 2 semaines, la sénatrice Esther Benbassa souligne la gabegie financière de cette politique. En 3 ans, l'État a déboursé près de 100 millions d'euros versés à différentes associations. La sénatrice parle même d'un business de la déradicalisation. J'ai vu des subventions qui allaient de 800 euros à 400 000 euros, suivant l'association. Moi, je pense que nous devons faire un tri là-dedans aussi. La plupart de ces associations se convertissent maintenant en cabinets privés de déradicalisation, de consulting en déradicalisation, donc elles ne peuvent pas être contrôlées, mais c'est les deniers de la nation. Seul point positif dans les politiques de prévention, les cellules de suivi de radicalisation des préfectures. Services de renseignement, police, gendarmerie, éducation nationale et services sociaux étudient main dans la main tous les cas de signalement de personnes radicalisées. Au total, les préfectures suivent en France 2600 individus à risque et 800 familles.